Bonjour à tous, je m'appelle Damien Sarr. Aujourd'hui, première partie d'une série de vidéos un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude, moins axée sur la technique et sur le vocabulaire, mais plus sur les instruments. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une guitare un petit peu inhabituelle, qui est une guitare fretless. Je vais faire une série de vidéos, je vais vous présenter quelques modèles un petit peu inhabituels, donc la guitare fretless, la guitare sitar, la guitare baryton, quelques modèles qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de trouver, et peut-être découvrir des sonorités qui vont vous intéresser. Sur cette chaîne, il n'y a pas beaucoup de présentation de matériel, voilà, c'est pas trop le propos, mais j'ai trouvé intéressant de vous faire entendre, de vous montrer voilà, quelques instruments que je possède qui sont différents, alors que je n'utilise pas forcément tous les jours, et qui donnent des sonorités assez uniques, et qui sont utilisables voilà, en studio, dans des compositions, pour un arrangement. C'est une palette de sons que j'ai à ma disposition et qui m'offre des possibilités sonores. On commence tout de suite avec la présentation de la guitare fretless. Je commence par vous présenter cette guitare. Donc, cette guitare est une Godin LG que j'ai dû acheter en 1998 ou 1999. Je l'avais à la faculté de musicologie, ensuite je l'ai eu au MAI. Voilà, c'est une guitare que je garde, qui est une bonne guitare. C'est pas une très bonne guitare, mais c'est plutôt une bonne guitare. Avec un super manche, voilà, très manche assez fin, voilà, vraiment très facile à jouer. Et avec cette guitare, c'est avec cette guitare que j'ai fait quasiment toute ma technique. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ce manche et passé beaucoup d'heures. Je fais aussi beaucoup de concerts avec. Donc c'est une guitare voilà, qui a fait partie de mon apprentissage. C'est pour ça que je l'ai gardée. Mais la sonorité, au bout d'un moment, me correspondait plus vraiment. Voilà, j'ai changé les micros. Et voilà, malgré tout, j'ai préféré passer à d'autres guitares, notamment une Ibanez AS200 demi-caisse, voilà, qui correspond plus à ce que je joue à l'époque et même ce que je joue maintenant. Mais voilà, j'ai toujours gardé cette guitare et voilà, j'ai changé les mécaniques, il y a eu voilà, des petits travaux de fait. Et puis j'ai eu l'idée de la transformer en guitare fretless. Donc c'était une guitare fretée que j'ai transformée en fretless. Donc à l'époque, Johan de Guitar Garage, voilà, qui nous a quitté maintenant, mais avait fait un super travail et donc avait enlevé les frettes. On avait enlevé les frettes. Il avait bouché donc l'emplacement des frettes avec une petite lamelle de bois et surtout il avait reverni le manche. Voilà, pour savoir que fretless, les cordes touchent directement la touche. D'accord. Donc il n'y a pas de frette pour la stopper. Du coup, ça frotte directement. Donc si le manche n'est pas protégé, renforcé avec du vernis, ben, on va vraiment abîmer la touche. Donc voilà, c'est un point important. Donc c'est une guitare transformée, d'accord. Deuxième élément important, pour avoir ce son typique de la fretless, j'ai mis des cordes filet plat, d'accord. Donc c'est des cordes assez grosses, ça doit être du 12, voilà, c'est assez gros pour un manche comme ça. Avec un tirant plus petit, les cordes aiguës sont vraiment toutes fines et difficiles à faire sonner. Là, c'est déjà du 12 et c'est déjà limite. Donc 12 en filet plat. Après, si je mets du 13 ou le manche, je vais pas forcément supporter cette tension. Donc voilà, à faire attention pour ce type de guitare. Voilà, déjà là le manche est un peu travaillé. Donc moi, je préfère mettre du 12. Ça fonctionne assez bien et la corde mi aiguë, je la joue de temps en temps, mais c'est vrai que je la joue un petit peu moins. On verra ça après pour le jeu. Voilà pour la présentation de la guitare. On peut dire quoi encore, deux micros doubles. Je me sers surtout de l'aigu. Voilà. Le grave, comme c'est des filets plats, plus le fretless, ça donne un son assez pâteux. On peut écouter. Et un peu moins distinct. Voilà, là, je passe mieux. On entend. Alors on pourrait se dire pourquoi fretless. Alors à l'époque j'écoutais beaucoup un guitariste
franco-suisse, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, qui s'appelle Marc Ducré. Voilà, qui a fait de superbes albums comme Qui parle, des albums en trio, je crois L'Ombra di Verdi, enfin beaucoup de disques très intéressants. Et lui jouait beaucoup sur fretless et c'est quelque chose qu'il maîtrisait vraiment bien. Voilà, assez virtuose, bonne justesse, c'est vraiment un guitariste monstrueux, très inventif, voilà, dans un style un peu jazz, musique improvisée, des fois un petit peu free, mais voilà, qui joue monstrueux. Donc ça m'a donné l'idée d'amener cette sonorité dans mon jeu, et donc par le biais d'un instrument. Et j'ai pris cette guitare, voilà, que j'ai faite défretter, et que j'ai rendue fretless. Donc dans les musiciens qui jouent fretless, on peut citer aussi un guitariste américain, David Fuchsinski, voilà, qui est très intéressant. Lui joue avec une guitare double manche, donc un manche fretté, un manche fretless. C'est plutôt la bonne solution parce que c'est, on va voir tout à l'heure, c'est difficile la fretless de faire des accords. Donc soit on est un petit peu en mode solo, c'est difficile d'accompagner. Donc avec la guitare fretée, on peut accompagner, faire des accords et après se servir de la fretless comme solo, comme un son, une sonorité particulière, un instrument comme un instrument traditionnel indien ou d'autres. Et c'est intéressant d'avoir les deux. Là qu'on a que la fretless, c'est un petit peu limité. Donc c'est pour ça que moi, par la suite, j'envisage aussi d'acquérir une double manche pour avoir cette même palette. Un autre guitariste plus rock qui s'appelle Rontal, voilà, qui joue aussi très bien, voilà, dans un style vraiment plus rock metal, pareil, double manche aussi. Alors, lui joue avec une guitare avec un manche en métal, je crois. Voilà, c'est aussi intéressant. Voilà, c'est plus dans un style rock que jazz, mais voilà, ça joue super aussi. D'accord? Donc maintenant, on va voir un petit peu les spécificités du jeu. Première chose, une évidence, mais il n'y a plus de frettes. Donc, ce n'est plus un instrument tempéré. D'accord? Donc selon où je place mon doigt, comme un violon, mais la hauteur de la note va changer. Donc si je veux dire, si je prends ici, hop, et oui, on entend tous les comas, les quarts de ton. Voilà, et pareil dans les aigus. Alors ça peut faire des effets. C'est intéressant, mais c'est assez difficile d'être tout le temps très juste. Voilà, dès qu'on bouge, pas. Si on va dans les aigus, dans les graves, voilà, donc c'est. Il faut vraiment bien écouter, sinon. Voilà. On est vite, vite faux. D'accord? C'est. Si je fais. Voilà, je suis où, là. Donc. C'est pour ça qu'on se sert beaucoup de ce petit vibré pour ajuster un petit peu la note. Okay. Donc voilà, ça c'est le principe de jeu. Ce qui va vraiment marcher, c'est de jouer sur une ou deux cordes. Okay. Vous avez vu, là, il y a une petite fausseté. Voilà, je ne la joue pas tous les jours. C'est un instrument aussi qui demande beaucoup de travail en fait. Si on la joue régulièrement, très régulièrement même, l'oreille se fait et on arrive à une bonne justesse. Là, je ne l'ai pas touché pour tout vous avouer depuis un petit moment, du coup, il faut que je me mette un petit peu dedans pour avoir les réflexes. Donc voilà, ce jeu-là, un peu comme un slide. D'accord, voilà, ça c'est intéressant. Jeu un petit peu oriental ou indien. Possible pour simuler un petit peu ces instruments, soit le oud, le sarod, la sitar. C'est un instrument qui permet ça. Jouer en position est possible aussi. Voilà, mais un petit peu plus difficile. D'accord? Mais ça, y a plein de sonorités intéressantes. Donc avec les filets plats et le côté fretless, on peut pas tirer les cordes. Très peu, ça donne pas grand chose. Donc on va vraiment préférer le glisser. Une autre différence, c'est que malgré le fait que les cordes soient très proches du manche, du coup parce qu'il n'y a pas de fret, il faut vraiment appuyer fort. Voilà, si j'appuie très fort, ça c'est la pression que je mettrais sur une guitare avec fret. Là ça marche pas. Il faut vraiment appuyer. Donc c'est plus fatigant pour la main gauche. D'accord? Donc là je joue avec un médiator assez gros pour avoir ce son un petit peu plus rond. J'aime bien aussi la jouer au pouce.
Voilà, là le son est vraiment. Avec le pouce, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment une belle sonorité. On va mettre aussi un petit peu de saturation. Faut accepter une petite fausseté, c'est difficile de jouer tout le temps parfaitement juste. Ça, c'était pour la présentation du jeu mélodique. Alors maintenant, le jeu harmonique, c'est là où les problèmes commencent. Comme c'est difficile, il faut se placer au bon endroit à chaque fois, même un Do majeur simple. Ok, vous voyez le problème. Donc, trois notes, si je fais un accord de Do mineur en barré, c'est tout simple. Pareil, ça marche pas. D'accord? Donc, parce qu'il faut être placé à chaque fois pile au bon endroit et des fois comment dire, la position des doigts ne le permet pas. C'est pas forcément qu'on l'entend pas, mais c'est que la position des doigts est difficile. Et d'autant plus si on enchaîne plusieurs accords, là ça devient vraiment périlleux. D'accord? Donc, on peut faire déjà des triades. Voilà, même les triades, c'est pas évident. Le plus efficace, c'est vraiment de faire des dyades, c'est-à-dire deux notes. Souvent, ce qu'on appelle les guy tones, par exemple, la septième et la tierce, ou la tierce et la septième d'un accord. Si je suis sur un accord de la 7, voilà, je vais utiliser la septième, le sol, et le do dièse, la tierce. Voilà. Et là, je peux faire un semblant d'harmonie. Si on est sur un blues, je peux aller sur le ré, quatrième degré. Donc la tierce septième, ensuite le la, et le mi, le ré, et le la. Éventuellement, rajouter une troisième note comme la treizième. Voilà. C'est déjà pas évident. D'accord? Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, moi je vous conseille plutôt les dyades. Vraiment deux notes. Mineur par exemple, on va voir ça. Voilà, septième, le sol et le do, la tierce mineure. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on peut pas beaucoup jouer en accord. Il y a encore une fois le guitariste Marc Ducré qui le fait un petit peu, mais c'est assez difficile. Il y a la plupart du temps, on s'en sert comme un instrument mélodique. Au final, quel est l'intérêt d'avoir une guitare comme ça? Mais c'est pour, voilà, je m'en sers pour certains solos, pour certaines ambiances, il y a vraiment... Alors une sonorité très très particulière, et ce jeu de glisser là... qui est vraiment assez, assez unique. Pas extrêmement facile à jouer. Quand une fois les cordes sont assez dures, il faut vraiment appuyer fort. C'est pas du tout le même jeu que sur une guitare frettée, mais les sonorités sont intéressantes. Ça vaut le coup d'essayer d'avoir ce type de guitare dans son arsenal. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura fait découvrir un instrument avec ses sonorités propres. Pensez à vous abonner, je vous dis à vos guitares et à bientôt.